Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois de personnalisation. On avait fait la personnalisation de la Omnis sur ma chaîne YouTube. Vous allez la voir. Et voilà. Donc là, on va personnaliser aujourd'hui la Turismo R, qui est encore une fois gratuite dans Legendary Motors. Vous allez dans Internet. Hein. Voilà, elle est là, Legendary Motors. Vous faites ça, et elle est là. Voilà, donc vous l'avez en plusieurs couleurs. Et après vous allez la personnaliser si vous voulez avoir des idées de quand la personnaliser. Voilà, c'est cette vidéo est pour vous on va dire. Donc voilà le Santos Custom. Donc on va le réparer. Blindage j'ai rien mis parce que ça coûte trop cher pour rien on va dire. Frein 20 000, ça sert à rien, regardez la différence, pas ouf. Moteur, j'ai un peu mis à fond. Voilà, on va mettre à fond. Échappement. Au début, on a cela. J'ai mis cela, on ne voit pas bien que la fumée, mais dehors, il n'y a pas de fumée. Ça, je mets pas. Klaxon, j'ai rien mis. Éclairage, phare, on va mettre ça aussi. Kit néon, moi j'ai mis ça. Couleur, on peut changer. Peut-être en jaune, je sais pas, je pense que je les mettrai peut-être un jour. 6000 néon, non merci. Ça, tout le monde a. Plaque. On va mettre celle-là. On va mettre celle-là. Tac. Peinture. Voilà ce que ça donne. Non, ça c'est pas mal en jaune aussi. Blanc pas mal aussi. Ouais, vert. Tac. Et les couleurs secondaires, on va mettre. Je vous montre un petit peu. Ok. On va mettre toute violette. Ouais, non, j'aime pas trop. Après en toi on a un toit de série, on a un toit, enfin donc j'ai pris toit point évidemment pour deux, ça coûtait pas très cher, je fais la ronde pour 32 000, là c'est pas mal. Alors on y a celui-là, moi j'y garde celui-là, je trouve qu'il est mieux que l'autre. Ouais, suspension, on va mettre ça, transmission, tout ça pour juste ça, ça sert à rien. Roue. Voilà, turbo, j'ai rien mis, ça coûte hyper cher le turbo. Et fenêtre, je pense que je vais les mettre comme ça. Bon, non, sur rien, ça sert à rien. Et voilà, je vais vous faire un petit test, encore une fois, sur la vitesse et tout, quoi. Donc là, c'est une voiture qui accélère comme ça. Accélère vraiment vite. Tesla. Tac, elle tourne aussi. Elle tourne vraiment bien. Elle patine pas sur tout ce qui vient. Bon, elle patine pas sur tout ce qui vient. Patiner parce que voilà, mais. Donc, tac. Regardez, ça patine pas vraiment. Petit dérapage. Tac. Et alors là, ça patine pas par exemple. Très précis dans ses mouvements. Voilà. Après, je vais vous faire un petit crash pour vous donner ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. J'ai sorti la vidéo avec la fumée bleue, évidemment. Donc, je vais vous montrer aussi. Là, j'en ai deux des tourismes en fait. Parce que, en fait, quand ça fait longtemps que j'ai commencé. Moi j'en avais acheté deux sans faire exprès. Et que je vais vous montrer mon autre Omnis. A few moments later. Donc voilà ma deuxième Omnis, c'est un peu la même avec des couleurs différentes, des pneus différents. Je fais des pneus par contre là j'ai rien mis. Voilà. Si vous voulez voir la vidéo de la personnalisation de la Omnis, vous allez sur ma chaîne YouTube.
Et vous cherchez dans la PJGTA et vous trouverez la Omnis. Voilà.